Moussa Traoré abandonne momentanément ses fonctions de président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, cité dans une affaire de tentative de corruption exercée sur Assale Timoko, gérant de l'hebdomadaire L'éléphant déchaîné. Il a préféré se mettre en retrait de l'organisation des journalistes. Depuis hier, 20 janvier, le CNP a rendu publique cette décision qui me retire ma carte d'identité de journaliste professionnel pour une période de 6 mois. Tirant les conséquences de la dite décision et en attendant de clarifier cette situation qui entache mon honorabilité et l'image de notre union, j'annonce que je me mets en congé dès cet instant de la présidence du Conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Cette décision vise à préserver l'image de marque de l'UNJCI et à permettre la manifestation de la vérité. Moussa Traoré sera remplacé à la tête de l'UNJCI conformément aux dispositions prévues par les tests de l'organisation. Dans le cas d'espèce, c'est le premier vice-président qui assure l'intérim.